Allez, Zou, c'est parti avec le son, ce sera vachement mieux. C'est parti. Bon, on va continuer les jeux du CPC Retro Dev. C'est marrant, on dirait que ma barbe est tordue. Parce que la caméra est pas face. Souci du détail. Mais en fait, c'est le mec qui est tordu. Ouais, voilà. Ouais, bon, bah, bref. Ça ressemble à rien. On s'en bat les steaks. Oh, j'ai oublié d'allumer Winamp. Merde. Je suis obligé de prendre Winnet parce que Sugarbox a priori refuse. Salut Fred. Sugarbox a priori ne veut pas lire dans des zips. D'habitude je stream avec Sugarbox, mais bah là je peux pas. Je sais plus où c'est qu'on en était. Alors on va lancer. Alors tiens, je ferais bien. Il y a un jeu que j'ai vu. Comment ça s'appelle le truc de bagnole? Il y a un jeu de bagnole. Le CNG Soft, ce qui va être, comment il s'appelle cette connerie? Tiens, bon, sinon il y a le Sokobam là. Je sais pas si c'est celui, je sais pas s'il y en a plusieurs. T'en es où ton jeu, Fred? T'avances toujours ou t'es en pause? Alors, est-ce que j'ai mis du son dans l'émulateur? Oui, normalement il y a du son. Ah ben voilà, c'est le truc à la première surface. Il est sympa ce graphe, je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais c'est joli, c'est propre. Ça avance très fort. Ah, cool. T'es encore loin de la fin? Ah, tout excuse princesse, une must escape. From several mazes, dungeon, good luck. Reste d'instant, il y a des rasters là, non? Ah, peut-être pas. C'est bizarre l'écriture à moitié rose en dessous là. Bon, je peux faire chier à côté des couleurs, mais remarque, je peux juste regarder la palette déjà s'il y a du marron dedans. Ouais, il y a du marron, il y a du rose ou du orange, je sais pas si c'est combien ça. Ça ressemble à du orange, donc il y aura peut-être bien des rasters quand même dans le. Au moins pour changer une couleur. C'est pas du tout en pause. 85-90% je pense. Restera tout le travail artistique. Graphisme son à finaliser. Ouais, bah ça c'est le plus gros du boulot. Hein. Là, moi j'en chie à finir le Zelda de Ziskier. Là, les graphes, j'en ai un peu ras-le-bol. Alors, oh yes, on peut bouger. Alors, je suis parti n'importe comment. Bon, par contre, alors, déjà le truc qui est regrettable. Alors, graphiquement, c'est joli. Rien à redire, c'est propre. Par contre, le déplacement à la case, c'est un peu dommage, quoi. Et ça va dépoter, il y aura de la surprise. Et bah, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Alors, il y a un système de code. Bon, je suppose. C'est un peu le problème de ce genre de jeu, c'est que quand on en a fait un. Presque de voir la forme du niveau pour comprendre ce qu'il faut faire. Le jeu de Krusty et Vox. C'est Krusty qui a codé ça. Tout cas, graphiquement, c'est joli. Alors, si c'est Krusty qui a codé ça, je suis limite un peu déçu, quoi. Limite un peu déçu parce que c'est très simpliste. Connaissant de Coco qui est quand même loin d'être une burne niveau code, c'est un peu décevant du coup pour du Krusty. Ouais, faut voir combien de temps, mais enfin bon, là t'as pas grand chose hein. À part afficher un tableau de tile et puis déplacer deux merdes à l'écran. Une routine de réaffichage, bah, t'as même pas besoin de routine de réaffichage d'ailleurs, puisque c'est des tiles que tu remets. Mouais, je suis pas super convaincu quand même. Alors, il faut que je fasse ça. Je vais avoir trop le choix en fait. Donc,
pousse, mais si je pousse celui d'en haut, ou alors faut que je pousse plus celui-là. Sauf que si je le pousse plus. Voilà. Ah, putain de chiottes. Donc je peux pas pousser celui-là en haut, sinon je peux plus le débloquer. Non, j'ai pas le choix, je suis bien obligé de pousser celui-là. Par contre, du coup, si je pousse celui-là, je me bloque. Donc je peux encore pousser celui-là. Mais ça va pas me donner grand-chose. Même si je le pousse comme ça, si. Hop. Tac. Tac, on va dire. Hop, celui-là, je peux déjà le placer normalement. Hop, voilà. Et l'autre, bah, je vais pouvoir. Je le remonte. Ah, il va me faire chier, faut que je le pousse vers le bas. Ah ouais, merde. Ah, caca. J'aurais peut-être pas dû mettre l'autre en fait. Parce que là, je suis baisé. Hein. Là, je suis baisé. Alors, on peut abandonner. Oh merde, putain, j'aurais dû mettre un code. Bon. Bon, c'est un Sokoban, quoi. En full screen. Alors, par contre, ouais, graphiquement, c'est très réussi. Graphiquement, c'est chouette. J'aime bien le dégradé avec le vert pastel, là. Gris et puis violet, c'est plutôt joli pour les pierres. Hein. Et jaune. Très sympa. Graphiquement, c'est très sympa en tout cas. Après, voilà. Effectivement, faut voir combien de temps il a investi dedans, mais. Nos codes, t'en as pas pour long, quoi. Salut, Sico. Bon, bref. Allez, suivant. On va pas y passer 3 ans sur un Sokoban. C'est rigolo. Moi, j'aime bien ce genre de jeu, mais. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait tout à l'heure? Il bouge, putain, le jeu de bagnole, là. J'avais envie de faire le jeu de bagnole. Mais je sais plus comment il s'appelle. Karting Garden. Je vais être ça, karting. Ça peut être que je vais bien, putain, fille de merde. Alors, Run Neon Labs. Il y a un jeu que j'ai voulu lancer aussi qui fonctionnait pas. Ah bah c'est peut-être celui-là. Bah, c'est bizarre, c'est pas. Tu me diras, je l'ai pas lancé, je crois. Ah non, c'est Fire Tire. Donc Karting Garden, il fonctionne pas. Je vais pas chercher plus loin. Ça fonctionne pas. Ça se lance pas. J'essaye pas. Hop. Et il y en a un autre que j'ai voulu essayer aussi et que fonctionne pas. Voilà. Bon. Voilà, c'est rigolo, c'est bon. Ça sent le transfert à la va-vite, ce graphe, mais. Oh. Il y a des petits trucs sur l'anti-aliase. J'ai envie de dire qu'ils font très transfert. Bon, allez, on y va. Fire. Ah, mais j'ai pas de son, en fait. J'ai pas mis de son, j'ai coupé le son de l'émulateur. Ah, ben voilà. Oh la vache, faut appuyer sur le haut pour avancer, c'est un peu là, ça. Allez. Voilà, c'est très très plat. Ce qui m'avait semblé sur la vidéo courte qui avait été présentée, c'est que le jeu était très plat. Pas de relief sur cette route. C'est dommage. Sinon, c'est quand même bien, c'est plus rapide. Hein. Voilà, ça, pourquoi je me fais éjecter là? Il y a des mecs derrière, je peux pas les éjecter, je peux pas savoir qu'il y a des mecs derrière. Vespertino, non, non, c'est pas Vespertino. Hein. Là, c'est quand même un petit peu mieux. Là, alors, clairement, ça a l'air plutôt bien codé, ce qui n'est pas très étonnant avec CNG Soft. Par contre, c'est limite injouable. Il y a des bagnoles qui nous arrivent de derrière, et voilà, on les voit pas arriver. Donc, on se fait exploser la tronche. On peut rien éviter du tout.
Un jour de code, c'est pas mal quand même. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de relief. C'est un peu dommage. Mais... ça fait très tard. Oh là là là, c'est insupportable. Je suis pas le seul, la limite. Je peux bouger la gueule tous les 3 secondes. Voilà. J'ai pas le temps d'accélérer. Ah, mais il y a une vitesse. Ah, et merde, j'avais pas vu qu'on pouvait passer. Voilà, là, je suis à 180 km/h. Donc, il y aura personne arrivé derrière, du coup. C'est ça le problème. Ah, je vais réussir à doubler quelqu'un. Voilà. Ça me dit quelque chose cette musique, c'est pas une musique originale ça. Oui. Allez, putain. Oh, ils sont casse-couilleux. Pour les doubler, merci. Hein. Oh, salut Thomas. Allez, putain! Oh là là, tu peux pas accélérer, tu te fais rentrer dans la gueule tout le temps, quoi. Ah, lui, tu fais un zigzag, tu veux que je passe comment? Putain. Allez, vas-y, ça. Non, mais sinon, c'est pas mal, hein, c'est bien rapide. L'affichage, je vais quand même pas trop mal. Le gameplay là, pour le coup, le gameplay est vraiment pas terrible. C'est un peu dommage. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai plus de temps, merde, shit. Je suis mort. New top score, waouh. Je vais en refaire une, maintenant que je sais qu'il y a une deuxième vitesse. Graphiquement, c'est pas trop mal, bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais je passe un peu vite ma vitesse. Alors, en résultat, je me fais une poulet là. Putain, mais... ça suffit, quoi. C'est un peu vite quand même, je trouve. Je sais pas pourquoi, parce que finalement il y a un petit décor sur le bord de la route, il y a un truc de fond, mais je sais pas, ça donne une impression de vide. Allez, passe-toi, toi, putain. Allez, voilà, tu peux rentrer dedans, même quand tu es à 100 et quelques, tu peux rentrer dedans. CNG Soft ne passe pas plus de temps sur ces trucs pour faire des jeux beaucoup plus complets, quoi. Et franchement, on est à un sacré niveau quand même. Sauf qu'en fait, ça s'est fait un petit peu plus.
un jeu de bagnole, il nous a fait des jeux en 3 bisous, il nous a fait l'espèce de Nebulus, je crois que c'était lui aussi. Finalement, le mec, il tente pas mal de trucs. Alors, je pense qu'il est un peu curieux. Il se dit, c'est un genre de mec qui va se dire, ah bah tiens, ça doit être faisable, je vais essayer de faire une routine pareille, ou de faire mieux. Puis du coup, il essaye et il le fait. Bon, c'est jouable, hein. Ah. Dommage parce que c'est... Vraiment, moi, le truc que je trouve dommage dans son jeu, c'est que la route n'a pas de relief. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de dessin. Un peu comme dans Burn and Rumber, ça aurait été cool qu'on ait montré le dessin. Clairement, s'il a mis que 15 jours à faire ça, bravo. Il a du taf. En plus, je suppose qu'il a fait des graphes aussi. Mais du coup, j'en ai bien. Oh merde, je vais rentrer dans le cul. Bon, quand on va vite, on se fait quand même un peu moins rentrer dedans. Mais alors, par contre, il faut rester à 180 parce que si t'es à 140, tu peux le changer de niveau. On peut dire niveau après niveau. Alors qu'est-ce que ça raconte? On est compliqué le stockage des sprites. Ça fait ça, quel bordel. Ouais, bon, ça c'est logique. Le désassemblage de Sonic 2 pour finir la version turbo. Ah oui, c'est vrai, cool. Et il fait un émulateur très performant aussi. Ouais, bah moi j'attends qu'il y ait un débugger correct et je voudrais un assembleur intégré. Maintenant, j'ai pas d'assembleur intégré. Je supporte pas de passer par 15 softs pour faire un truc. C'est pour ça que j'utilise une app qui est pratique pour ça. Mais bien codé. Alors, ça ne doit pas être simple à coder un jeu de bagnole. Bah non, pas forcément quoi. C'est un mode Amiga, ouais, d'accord. Hein, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Bon, comment qu'on change de niveau là? Parce qu'en il y a 4 niveaux. Ça va être juste le décor qui change, je suppose. Ah, t'es bien. Pépose, nia, feuillard, nia, nia, nia. Bah non, je sais pas. Bon, je sais pas. Bon, bref. Ou alors, peut-être que c'est parce que c'est la version démo et qu'il n'y a pas plusieurs niveaux. Je sais pas. Ah, au fait, le dev de RVM annonçait reprendre le boulot. Ah bah ouais, Thomas, ça, à partir du moment que tu fais, t'as pas beaucoup de RAM, t'as pas trop le choix, au bout d'un moment, tu es obligé de faire une routine pour retourner tes sprites hein, et de perdre du temps. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai testé un shoot hier soir, je sais plus c'est lequel. Non. On va essayer Fitzroy's Go Sleeping, si je l'ai pas déjà fait. Ah, je me demande si c'est pas celui-là qui marche pas. Ah,
facile. Alors, Rebinds Control, normal difficulty, gna gna gna, couleur mode. Bon, alors on va faire deux. Alors, haut, bas, gauche, droite. Oh merde. Oh la vache, 50 touches. Ah ouais, non, mais là, là, non. Alors, on va refaire. Haut, bas, gauche, droite. Déploie un outil. Mode change. D, comme déploie. Action. Or, refuse. Alors, on va mettre fire. Set target, on va mettre T. Enter, on va mettre E. Et exit, on va faire escape. Level bas, hein. Alors, finish the time, clear all the min, keep the turtle safe. Voilà, vache. Plus débloqué, one down. Ah, d'accord. Bah, je sais pas, un check. On va dire. Voilà. Ah, j'ai encore du fric. Bah, hop, on va mettre deux. Ah, je peux pas. Bah, monnaie, 20 000 et les brouettes, pourquoi je peux pas? Bon. Alors, déploie qui? J'ai mis D. Voilà. Alors. Faut faire quoi? Peux pas bouger, je peux pas action, que dalle. Déploie. Target. End. Ah, j'ai rien compris. Bon bah end. End. Hop, on va dire ça se déploie comme ça veut. Hop, je me fous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends rien. Bon bah voilà, je n'ai rien compris. Salut TSM. Bon bah j'ai rien compris. Allez, hop. Bah ouais, pourquoi c'est dingue? S'il n'y a pas besoin de réafficher le haut du corps, autant réafficher que le bas, tout le monde. Tu gagnes du temps. Ouais, fail, ouais, pour le coup. Bon, alors, il y a Go Away Viking, j'ai déjà essayé, c'est pas terrible. Ah, c'est Hyperspace que j'ai essayé, c'est rigolo, ça. C'est un petit shoot. Alors, quand je dis un petit shoot, c'est vraiment un petit shoot. Parce que, alors, la taille de l'écran, elle est réduite vite, laisse tomber. Allez, encore une petite demi-heure de stream, un peu moins même, et puis après j'arrête parce que j'ai un rendez-vous à 14h30 là. Un truc de visio. Oh merde, on est obligé de jouer au clavier, je m'en rappelais pas. Bon bah, ou un play. C'est bizarre, je me rappelle pas qu'on est obligé de jouer. Ah non, on peut jouer au Joy. Ok, c'est bon. Donc ouais, on a vraiment un écran réduit. Hein. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont réduit l'écran à ce point-là. Ça peut leur apporter, mais bon, le jeu fonctionne et plutôt rigolo. Alors, je suis allé au niveau 10 hier soir, vite fait, là, avant de me coucher. Alors, ça rame, hein, il y a des ralentissements. Mais on a une gestion, une petite gestion des armes. Ah bah tiens, par contre, je découvre la musique parce que moi, je l'avais pas entendu hier. J'avais pas de son. Ah mais oui, c'est pour ça que j'ai pas de son, c'est parce que j'ai écouté de la musique sur mon casque pendant que je jouais. C'est pour ça que j'avais coupé son émulateur. En train de chercher pourquoi il était coupé. Alors là on prend hop tir, pas deux. On peut avoir un tir pas trop aussi. Pour récupérer des vies. Alors après il y a d'autres trucs, j'ai pas compris ce que c'était. Ça rame, ça rame, ça rame. On sent bien qu'il y a. Ouh. C'est dommage d'ailleurs, parce que sinon c'est plutôt sympa comme petit jeu. C'est plutôt pas trop mal fait. Mais bon, on sent qu'au niveau de la gestion du jeu en lui-même, il y a quelques petits soucis, hein. Très rapide, la routine d'affichage est pas top. Peut-être que c'est fait avec ces PC TVA ou une connerie comme ça. Hein.
pas fait gaffe s'il disait. Pour le coup, ça expliquerait pourquoi c'est lent. Ah oui, ah, ces merdes, elles sont chiantes. Alors voilà, là, je vais pouvoir avoir un tir pas 3. Voilà. Oh, mais tu sais le faire, Thomas, hein, c'est juste que t'apprécies. Mais sinon, tu sais le faire. C'est pas bien compliqué. Alors, à partir du moment que t'as su, dans Zelda, faire des ennemis qui se déplaçaient tout seuls. Voilà, ce genre de truc. Voilà, donc ces machins-là, je sais pas quoi ça sert. Est-ce que ça me donne plus de force ou est-ce que mes tirs sont plus puissants ou je sais pas. Pas compris ce que c'était que cette option. Ah, l'avantage c'est que les tirs des ennemis on a le temps de les éviter, on peut même passer entre deux, c'est pas violent. Ah merde, ah bah oui, je me suis mis juste devant en même temps, donc ouais, c'est ça, j'appuie sur la touche ralenti. Ah, ça ralentit sévère, hein, ça rame à mort, hein. C'est dommage. Je pense vraiment qu'il y a au niveau de l'affichage des sprites, ça doit vraiment pas être des routines rapides. Hein. Alors surtout qu'avec des tailles d'écran modifiées comme ça, il y aura un moyen d'optimiser pas mal de trucs. Mais je vois pas pourquoi avoir pris cette taille d'écran en plus. Il aurait pu prendre un écran de 64 par exemple, ça aurait été peut-être plus utile. Alors là, il doit avoir un écran de 32 justement. Alors, ouais. Justement, il aurait pu optimiser l'affichage. Donc je sais pas pourquoi ça rame comme ça, hein, surtout qu'il n'y a pas de masquage. Donc au final, il n'y a pas grand chose à faire. Mais ça rame. Merci de ne pas crier, pas envie de sursauter sur ma chaise. Bah de toute façon ma fille est à la sieste, donc il n'y a pas question que je crie. Je vais épargner tes oreilles. Et ton cœur aussi. Je voudrais pas être responsable d'un arrêt cardiaque. Bon voilà, bref. On va pas aller au bout du jeu non plus. Alors il y a des boss de temps en temps. Enfin des boss. On va dire des boss. Mais en gros, c'est un espèce de truc plus difficile à détruire que le reste. Et du coup, il y a des vagues d'ennemis pendant ce temps-là. Donc, il faut réussir à le tuer. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'est rigolo. Ouais, je trouvais rigolo ce petit truc. Un spécipeur. Oh non. Alors, ensuite, on pourrait essayer l'espèce de... l'espèce de l'aigle d'or. Trop de legacy. Alors vite fait, parce qu'il reste un quart d'heure, un tout petit peu plus. Catalogue décoré, le truc qui sert à rien. Alors surtout si c'est pour en faire des cassettes, je vois pas l'intérêt de se faire chier à faire un utilitaire de Tommy Jerry qui prend deux secondes, mais je vois pas l'utilité de faire ce genre de truc alors que c'est fait pour finir sur une compilation cassette. Type introduction, bah non, on va la regarder, tiens. Je suis méchant. Voilà, bienvenue en 1984. Donc, hein, on reconnaît tout de suite hein, une intro de Cuculcan, hein, c'est toujours la même chose, hein, des rasters dans un logo et un sample. Un peu pareil que dans Clevermine et dans tous les autres trucs. C'est beau, bah non, moi je trouve pas ça beau. Alors déjà pour moi, le haut du ciel, j'ai pas vérifié, mais le haut du ciel fait vachement penser à un Xifo Fantasy qu'on aurait été repompé. Bon, cela dit, faire trois trames sur le bord entre deux couleurs, c'est un peu pourri dans tous les cas.
Je le trouve affreux ce truc. Alors les montagnes, elles ont été piquées dans, dans quoi? Dans préhistorique ou un truc comme ça. Et le château, il est juste immonde. Hein. On dirait que c'est dessiné par un gamin de 4 ans, quoi, qui sait pas faire de relief. Non seulement c'est pas faire de relief, mais en plus recopie des pierres. Donc, toutes les pierres sont identiques. Hein, donc celui qui a dessiné ça, c'est pas fait chier. Alors, on sait tous hein, qui c'est qu'il a dessiné. Hein. Bref, il s'est pas fait chier. Hein, parce que ça ressemble vraiment pas à grand chose, son château. C'est un peu moche. Ne parlons pas du puits. À mon avis, le puits, au premier orage, il s'effondre. Hein. Eh bon, au moins, pour une fois, on n'a pas une gonzesse avec une peau rouge. Voilà quoi. Allez, on va passer avec des graphes avec quelqu'un qui sait graffer après. Alors, Throne Legacy is a graphical adventure inspired by a famous French game, l'Aigle d'Or. Oui, bon, du full screen, ça a rien de révolutionnaire, hein, du full screen, Thomas. Tu peux le faire en basique si tu veux. Alors, édité par Laurie Ciel, créé par Louis-Marie Roque. Ouais. Our objective is to find three objects in order to recover the family throne. Ouais. You have to explore your old castle cursed by black magic. Alors, you are the inheritor. D'accord. Inheritor. Of the royal and prestigious Noah family. D'accord, ok, c'est bien. In the pure family tradition, you have been sent to capital to complete your education and to be able to carry on the family tradition. Ouais. On en a rien à foutre, mais bon, c'est pas grave. This also allows you to make friendships with other young people from great families. A letter arrive. Qu'est-ce que c'est que ce scénario pourri? A letter arrive. D'accord. Telling you of a great tragedy. Your whole family has decimated months ago by a curse. And now the castle is home to evil creatures. Yeah. Ah, you only must kill the family mansion to find the golden scepter and the crown and ring, which are the marks of the family inheritance, and which will allow you to lift the curse and recover your throne. Good luck on your journey. Alors, on a les touches. Avec Fire, on peut prendre un objet. Cool. Bon, sinon on se déplace back front left right, ok. Avec Fire on peut faire un saut haut. Off. En appuyant en haut, en appuyant à droite, on peut faire un saut long à droite. Et en bas on peut se baisser. Et crouch, ben, je sais pas ce que ça veut dire crouch. Voilà. Bon, alors, inventory. Reste sel. Alors moi j'ai pas de touche sel sur mon CPC, donc je sais pas c'est quoi sel. Je crois que ça coûte bien. D'accord. Alors on use right or left direction. Ah d'accord, on peut choisir dans quelle main. Ok. Use object in and press fire. D'accord. Flip. Use object in inventory, press sell again to go to the inventory, then use direction key to select slot and press fire. Example light torch, ok. Select on. Ok, then select torch. Ok, and press fire. Select twice, go to the inventory, ça veut dire quoi ça? Select lighters and press fire. Ils avaient qu'à mettre une notice en français, quoi. T'es français, tu fais une notice en français, puis c'est tout, merde. Ah, celle sélectionnée, oui, mais ça me dit pas c'est quel bouton.
Alors, here comes an object you can find or found in the castle. Ah, du fric. Une bague, un sceptre, une couronne. Ok. Alors, les objets qui doivent être aimables pour servir, une torche, un pied de biche, une corde et des clés. Ok. Objets qui peuvent être utilisés directement dans l'inventaire. Alors, lighter, donc ça c'est un briquet. Il faut savoir que c'est un briquet par contre. Hein. Une potion de vie et un parchemin. Ok. Diffoquer. F down left right. Ok. Space jump 1 et 1. Copy select inventory. D'accord. Une copie c'est select en fait. Light torch in room. By jumping under. Enemy lighter torch. Ah non, mais ça va. Le super simple, ouais. Alors, ça charge. Qui c'est qui a codé ce jeu? Arnaud Boucher. Graphique, Maïsel, en beau. Je sais pas qui c'est. Un trou calcul quand et titan. D'où le graphe moche. Testé par SLT, je sais pas ce qu'il c'est. Juste CPC Tilera. Oh, et Arcos. Quelle idée d'utiliser CPC Tilera, sans déconner. Bon, bah, start, a priori, je peux utiliser. Ah, les mecs, hein. Alors, bon, bah voilà, notre personnage qui bouge. Les graphes derrière sont plutôt jolis. Donc, on peut bouger, voilà. En profondeur aussi, notre sprite il est masqué. On a un inventaire en dessous en mode 0 comme l'écran de jeu et on a ce qui a l'air d'être du mode 2. Ouais, c'est du mode 2 en bas pour dire le nom de la pièce. Là, je suis outdoors. Voilà, donc bah, hop, on se balade. C'est bien, hein. Contrairement à l'aigle d'or, on a des parties en extérieur. Ah, le château. On peut y aller, on va d'abord regarder s'il y a quelque chose. Alors ça se trouve il y avait à droite, alors à gauche il n'y a rien. Est-ce que je peux sauter dans l'eau? Lake of Spirits. Non. Ah la vache putain, alors le saut. Bon. Allez vas-y, ouais. Ouais. Ah ça marche pas quand tu te mets, quand tu sautes en bord d'écran, attention. Je peux pas sauter en bord d'écran. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une berry, ouais. Il veut pas sauter quand je suis trop près du bord de l'écran. Ah oh, merde, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, j'ai du fric, j'ai 50 balles. Je peux acheter quelque chose. Un briquet ou une torche. Ah non, le briquet, je peux pas, il est trop cher. Bon, comment est-ce qu'on se casse? On se casse. J'ai pas assez de fric. On va d'abord aller dans le château. Ah bah attends. Donc là, c'est quand je suis tout à droite. Hein. Ok, d'accord. Les panneaux, est-ce qu'on peut les lire? Putain, le panneau, il est petit. Hein. C'est un panneau, ça, non? Que le panneau. On dirait les trucs qui sont mis par les communes en bord de route pour annoncer un vide-grenier. Y a peut-être un vide-grenier, va savoir. Là, je me marre tout seul de mes blagues pourries. En moi, c'est pas des blagues toutes prévues comme Michel Louvet, des trucs qu'il a écrit sur papier qui se dit tiens, faut que je le sorte pendant ma vidéo. Alors, donc là, je peux. Me... Ah non. Non, non, reviens, connard. Viens là, on appuie sur Fire. Voilà. Non? Si, c'est bon. Oh merde, putain! Non mais je voulais pas. Putain, je voulais pas le prendre dans ma main. Vas-y, casse-couille. Mais non, mais je peux pas le virer. Oh putain, une fois que tu l'as dans ta main, t'es obligé de.
Version de World can be replaced, mais j'en ai rien à battre. Putain, mais. Ah, voilà. Hop. Dégage. Bon, nul. Le perso ne peut pas se suicider par la fenêtre, bah, je sais pas. Essayer si tu veux. Hein. Il reste 10 minutes. Après, j'arrête. Même pas. Il y a rien, non. Il veut pas sauter. De toute façon, il veut pas sauter. Donc déjà, on est mal barré. Non, quand t'es trop près, là. Tu peux sauter quand tu es au milieu de l'écran, quoi. Voilà, donc. Alors, c'est bizarre les pixels là, juste au-dessus de ma tête là. Les pixels en bas du mur, là. On dirait des bugs. On dirait un bug. Un bug d'affichage, un truc dégueulasse qui s'affiche. Alors, là, il n'y a rien. Ah, j'ai du fric, hein, par contre, là, j'ai 151 du coup. Je vais pouvoir aller m'acheter un briquet, tiens. Ok, bon, voilà, un petit cadre sympa. C'est fermé. Ah tiens, les yeux ont bougé, non? C'est une impression ou les yeux ont bougé? Je peux voir les yeux bouger. Bouge tes yeux, connard. Ah oui, si, ils ont bougé juste à... C'est au moment où moi j'ai bougé. Alors, est-ce que je peux aller là? Ah merde, il fait nuit. Bon, hop, définitivement, il me faut un briquet. Donc, je vais aller acheter un briquet du coup. Parce que j'ai déjà une torche. Allez, on y va. Au magasin. Bon, j'espère qu'il faut pas y retourner 15 000 fois pendant le jeu, quoi. Eh ben, lighter, ben voilà, tiens, je veux ça. Et puis c'est tout. Voilà, donc maintenant j'ai de quoi allumer ma torche. Il va falloir y arriver. Un peu silencieux comme jeu. Tout l'inconvénient quand tu fais une présentation avec de la musique, des trucs qui s'affichent et tout, et puis que tu te retrouves dans un jeu où il se passe rien. Alors, ça. Et du coup, normalement, c'est pas ça. Yes! Alors, il y a un truc. Ok. Alors, je peux peut-être allumer là. Mets-toi droit et saute. Voilà, ça marche comme ça. Ça restera allumé quand je repasserai si je repasse un jour. Là, on aurait pu faire pareil avant que tout ne s'éteigne. Mais merde, pauvre con. Voilà, et puis tiens, on va allumer l'autre aussi. On reviendra après, j'ai envie de dire. On va allumer le plus possible tant que ma torche n'est pas éteinte. Ah bah tiens, je vais la mettre le long du mur. Hop, voilà, tiens. C'est tout. Alors, on va voir mon coffre. L'affichage n'est pas très très rapide, hein. Allez! Il est bloqué ou quoi ce coup? C'est un peu mou du cul, hein, les directions. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Et je l'ai pris le truc ou quoi? J'ai pas l'impression d'avoir pris quoi que ce soit. There is something in the dark. D'accord, bah si tu me dis. Basement. Ouais, après, faut. Je pense qu'il faut y passer un petit peu de temps, histoire d'eux, quoi. Mais sinon, c'est sympa, effectivement. Ah, c'est fermé.
Ah, je vais peut-être être obligé d'aller acheter un pilbiche, hein, du coup. En même temps, c'était pas trop dur de faire mieux que les graphes du jeu d'origine, qui était très très simpliste. Putain, s'il faut retourner acheter à chaque coup un truc, ça va être vite lourd par contre. J'espère que c'est pas le cas. C'est quoi, d'accord, hop, voilà, oh la vache, putain, quand tu accélères du coup une merde complète, voilà, hop, c'était histoire d'aller un peu plus vite là, parce que sinon j'en ai pour 10 ans, et puis comme j'arrête dans 2 minutes. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir la porte avec le pied de biche? Vous le saurez au prochain épisode. Alors, on va se mettre à la porte. It's close. Tac. Donc, on fait. L'autre résiste. Ah, c'est ça, ouais, ta gueule. It's open. Voilà. Oh merde. Oh là là, it's dark. Et puis, non seulement it's dark, mais en plus, il y a un connard. Est-ce que je peux récupérer ma torche? Ah bah non. Oh putain, j'ai plus qu'à en chercher une autre. C'est abusé. Allez, hop. On trace. C'est bon. On se passe. C'est plus une nouvelle génération, ouais, c'est clair. Par contre, comme ça réagit pas au poil, du coup, hop, voilà, je suis revenu. Je vais du coup prendre la torche. Ah, mais merde. La torche. Tac. On y va, mon gars. Oh, du blé. Ouais. Alors, attends, on va allumer ça. Toc. Est-ce que je peux ranger une torche allumée? Yes. Voilà. Voilà, donc là j'ai pris du fric. Alors, est-ce que on peut la cheminée faire quelque chose dessus? Je ne sais point. Moins, moins, moins. Quelque chose à la main là, non? Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai une clé. Ah, j'ai une clé. Hop, bon, bah, on va laisser ça là. Et là, tu as ton froc qui prend feu. Bon, bah, je vais faire un petit snapshot. Et puis. Ouais, exactement. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. S'il faut vraiment retourner à chaque coup dans le magasin, ça va vite être chiant. Alors, c'est Throne. Comment il s'appelle? Legacy, c'est ça, non? Bon, on va faire un Throne Legacy, on s'en fout. Hop, voilà, snapshot. Et on va en rester là. Bon après-midi les gens. À peut-être demain vers 13h30. Pareil, pour continuer cette petite aventure de ce jeu qui est, ma foi, plutôt bien réalisé. Plutôt rigolo, mais qui risque de devenir bien lourd s'il faut retourner au magasin à chaque coup. On verra bien. Merde, oh, je me trompe, putain, je vous colle un logo Spectrum, je vais me faire maudire. Voilà, bon, allez, je vous dis à plus. Ciao. Allez, le logo. Pouf, ah ouais, c'est bon, ouais, c'est cool. Allez, à plus.